Hello, bonsoir. Bon, d'un coup. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur nos filtres. Désolé du retard, mais ce fut une soirée, toute une soirée, en tout cas. Aujourd'hui, oh, j'ai oublié de mettre. Est-ce que je peux ajouter ça maintenant? Ou bien je vais seulement finir. On va faire un petit peu. On va regarder. On va parler de capsule de garde-robe, wardrobe capsule. C'est quoi ce concept? Et comment on peut utiliser ce concept pour pouvoir justement mieux gérer sa garde-robe et surtout avoir beaucoup plus de liberté, de choix et de pouvoir justement composer des looks tous les jours, facile, simple, mais élégant. Je vais juste avant de commencer écrire et le titre. Essayer de piner. Ok. Donc, capsule, on parle beaucoup ces temps-ci de wardrobe capsule. L'idée, c'est venu surtout avec justement les, how you say that, the superstars, qui avaient justement des mini garde-robes pour des tournées. Hello, Stevenson, des mini garde-robes pour certains, pour des choses spécifiques, aller en tournée. Soit médiatique ou bien tourner pour jouer, etc. Et nouvelle, madame. Dernière fois que je prends une nouvelle, c'était, je pense, hier ou avant-hier, et on n'avait pas encore dire, de bonnes nouvelles à dire qu'elle était relâchée. C'est sûr qu'on va vous tenir informés. J'ai beaucoup hésité à faire ce live aujourd'hui, guys. Vraiment beaucoup hésité. Mais je me suis dit pourquoi pas. Parce que ça va. Et ça va justement. Et ça peut se changer. Ça peut nous permettre de se changer les idées. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'avis. Si vous n'êtes pas d'avis, on peut arrêter. Parce que c'est assez dur, mais après beaucoup d'hésitations, je me suis dit bon, on va quand même faire quelque chose, partager, se changer les idées, et parce que on doit pouvoir pour pouvoir mieux y performer, pouvoir continuer justement et à travailler, à atteindre nos objectifs au quotidien, il faut pouvoir justement et comment dire, relâcher, lâcher prise, se libérer un petit peu, prendre une pause de temps en temps pour pouvoir justement continuer. Donc, oui, je disais, j'expliquais et le concept de capsule wardrobe, comment ça s'est venu. C'est justement, et une capsule wardrobe, généralement, ça peut prendre entre une dizaine de pièces, généralement dans les 17, et ça ne dépasse pas une soixantaine de pièces. Généralement, on arrive grand maximum à 57 pièces. Ce sont des pièces et qui généralement forment la base de la garde-robe et qui peuvent facilement, des pièces qui peuvent facilement, et on peut mix and match, how do you say that? On peut et les combiner facilement pour avoir de nombreux looks. Donc, c'est ça le concept wardrobe. Nous autres, en tant que stylistes, on s'est appréhendé de ce principe. Pour moi, premièrement, parce que ça me permet, quand je fais et justement l'option shopping de garde-robe, quand je travaille dans les garde-robes, de pouvoir rapidement rendre une garde-robe fonctionnelle après un nettoyage. Ensuite, on pourra toujours continuer à ajouter des pièces de la garde-robe pour pouvoir justement mieux s'exprimer, exprimer sa personnalité, avoir du fun. Mais le concept qu'on va voir aujourd'hui dans les basiques de garde-robe, justement, c'est dans ce sens-là. Monter une capsule de basique, que ce soit avec une garde-robe bien fournie que vous avez, et full day jusqu'à présent que vous avez,
ou que ce soit et que vous voulez partir à zéro. L'avoir avec une garde-robe bien chargée, que tous les jours vous ne savez pas quoi mettre, ça vous donne des options comment justement facilement que vous pouvez intégrer les pièces dont vous n'êtes pas sûr que vous pouvez ajouter dans votre garde-robe, versus si vous n'avez pas grand-chose aussi, ça vous permet justement de pouvoir composer des looks et aller au fur et à mesure. Les basiques de garde-robe, généralement, il y a une liste assez complète et généralement, vous pouvez en choisir en fonction de votre style de vie. Et je vais essayer de garder ça un petit peu professionnel slash casual et vraiment dans notre temps pour vous donner vraiment une bonne idée des différents basiques de la garde-robe. La première chose, où ça qu'on montre les photos, le premier élément de la garde-robe que j'aime bien discuter, c'est et la chemise blanche et vraiment la versatilité de la chemise blanche. Tout le monde devrait avoir une chemise blanche, au moins une chemise blanche de bonne qualité dans sa garde-robe. Maintenant, et quand vous regardez la pièce et la chemise, par exemple, si c'est une pièce qui correspond à votre personnalité, ça vous fait quoi? Vous pouvez justement, bien en fonction de votre train de vie, vous pouvez avoir la chemise blanche et d'autres chemises, justement, en fonction de votre short de couleur, en fonction de votre préférence. Mais la chemise blanche, vous pouvez la porter pratiquement pour toutes les occasions, sous une veste, pour aller travailler avec une chemise, avec un jean, juste comme ça. Avec vous pouvez aller aussi dans le oversize où vous pouvez facilement à ce moment-là rendre un petit peu plus moderne votre chemise blanche. Par exemple, elle porte une elle a fait un total look blanc avec une chemise blanche. La chemise blanche est un petit peu oversize qui est très à la mode. L'une des meilleures façons de rester tendance, de rester dans l'air du temps et aussi de composer les tenues, généralement, je donne toujours deux conseils. Premièrement, regardez dans les tendances actuelles et choisissez en fonction de votre personnalité, de votre style de vie, de votre short de couleur. Dans ce cas-là, la chemise blanche, elle a opté pour un oversize et elle a accessoirisé autour qui donne un look vraiment chic, vraiment sympa. It's a casual chic look, mais comme vous pouvez remarquer, c'est un look très simple qui va, mais qui fait justement, qui fait de l'effet. Et est-ce que j'ai d'autres visuels pour vous, pour la chemise blanche? Bon, ça, j'ai par exemple, dans le cadre professionnel, voici une chemise blanche. Elle aurait pu ajouter une veste, elle peut la porter avec un pantalon, différentes choses. On peut justement nouer la chemise blanche autour de la taille aussi, différentes choses. Peut-être que je ferai une session, je ferai peut-être des démonstrations aussi, comment justement utiliser certaines pièces de différentes façons. Elle aurait pu porter par exemple un top en dessous, un jean et avoir la chemise blanche par exemple comme une veste, retrousser les manches, porter des baskets, etc. Il y a vraiment une multitude d'options. Et qu'on aurait pu avoir. Et en parlant de basique de garde-robe, la jupe droite, la jupe crayon, est également un basique de garde-robe. J'ai dit la jupe droite et la jupe crayon. La jupe droite, c'est la jupe qui descend tout droit, comme ça. C'est pas, ça suit pas les courbes, c'est pas refermé justement au niveau des genoux. Il y a une différence et c'est bien quand on regarde les basiques de garde-robe, comme je viens de le dire, de prendre sa place non seulement en fonction de sa personnalité, de ses couleurs, mais en fonction de sa morphologie. Et dans les morphologies, généralement, si on est ronde, si on est ronde, si on est rectangle, par exemple, c'est mieux d'aller dans la jupe droite. Ou bien si on est une poire, par exemple, on peut aller dans une jupe et ce qu'on appelle le A-line comme basique de garde-robe. Et dans les basiques de garde-robe, généralement, on recommande des couleurs neutres. Et quand vous faites une analyse de couleurs, en fonction justement de votre saison, on vous recommande des couleurs neutres que vous pouvez incorporer dans votre garde-robe. Il n'y a pas que le noir, je pense avoir déjà dit ça ici, qui fait partie de la garde-robe comme neutre, qui est un neutre de la garde-robe. Il y a aussi marron, le chocolat, bleu marine, qu'on intègre beaucoup, le off-white, etc. Par exemple, la petite robe noire que on peut rentrer là-dedans d'emblée.
C'est pas uniquement une question de petite robe noire. Avec l'évolution, justement, qu'on a vu que le noir n'est pas forcément une couleur flatteur pour certaines carnations, on a vraiment ouvert l'éventail et donné l'option d'avoir la petite robe noire, la petite robe bleu marine, la petite robe crème, par exemple, qui sont beaucoup plus flatteurs, la petite robe bleu marine et crème, qui sont beaucoup plus flatteurs pour les teintes chaudes, par exemple. Et c'est l'une des choses que je fais toujours quand je travaille dans les garde-robes et que je travaille avec les teintes chaudes, c'est de pouvoir contrebalancer. Oui, il faut une pièce noire et généralement, je vous recommande, par exemple, le tailleur, d'avoir le tailleur pantalon noir et d'aller, par exemple, avec une petite robe au lieu d'aller avec la petite robe noire. Généralement, j'aime bien insérer la petite robe crème, par exemple. Maintenant, bien sûr, comme je viens de le dire, le train de vie, alors le style de vie et la personnalité aussi peut avoir un impact quant au nombre de petites robes qu'on ajoute dans la garde-robe ou la couleur. Mais on essaie toujours d'agencer le plus que possible. Et encore une fois, la petite robe noire, c'est une robe passe-partout qui va avec toutes les occasions qu'on peut porter de différentes façons. Et encore une fois, je reviens avec le même principe. Une fois que vous avez une pièce et que, par exemple, vous trouvez que ça va avec votre personnalité, c'est une pièce que vous aimez bien, vous pouvez toujours aller et regarder dans les autres pièces. Par exemple, moi, j'aime bien les robes. Pourquoi j'aime bien les robes? Parce que j'aime deux pièces. J'aime les robes et les jumpsuits. J'aime les robes parce que c'est tellement facile et vous portez ça, c'est facile à tous les coups. Si c'est une robe qui met votre. Si c'est une belle coupe, si le tissu est de qualité, si ça vous met en valeur, c'est-à-dire que ça flatte votre morphologie et la couleur est idéale pour vous, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, vous êtes automatiquement élégante, fraîche et vous n'avez pas à penser avec quoi je vais mettre ci et ça. Bien entendu, on peut toujours accessoiriser, ajouter un foulard, un chapeau, les sacs à main, les bijoux, etc., les lunettes de soleil et tout pour pouvoir avoir un look. Et un look final, mais cependant, on n'a pas à avoir. Et des fois, même des vestes. Moi, j'aime bien pour ajouter une veste dans mes robes. Mais et on a dès le départ une bonne pièce qu'on peut facilement porter. J'ai pris cette photo pour attirer votre attention sur une chose avant que je revienne à la seconde pièce que j'aime beaucoup dans ma garde-robe. Et cette robe-là, par exemple, c'est une. On porte avec un ceinturon. Un ceinturon en matière vraiment solide. Donc, par exemple, je vous conseille, si vous avez des vêtements qui viennent avec des ceinturons et les ceintures en tissu de la même couleur ou bien ça peut être d'une autre couleur de la robe pour un petit peu plus, rendre votre tenue un petit peu plus composée, un petit peu plus dynamique, un petit peu plus moderne, vous pouvez opter pour un ceinturon en cuir ou en métal qui va justement casser un petit peu, par exemple, une robe comme ça, le côté classique, ajouter un petit peu plus de travail. Et généralement, quand je travaille dans les garde-robes aussi, je recommande toujours, par exemple, d'investir dans certaines pièces. C'est-à-dire que un ceinturon en cuir de qualité va tout simplement rehausser la tenue, ça va mieux composer la tenue. Et bon, vous avez un meilleur effet. La seconde pièce que j'allais dire que j'adore dans ma garde-robe, et c'est une pièce comme si intemporelle et qui fait plusieurs choses, qui rallonge la silhouette, c'est-à-dire qui vous affine, qui vous donne beaucoup d'élégance, beaucoup, beaucoup de caractère, je peux dire, nous les femmes, quand on porte ces pièces-là. Malheureusement, le petit bémol qu'il y a avec ces pièces-là, c'est que ça ne facilite pas les voyages au petit coin, c'est le jumpsuit. Et c'est également, c'est vraiment au bas de la liste, mais c'est également, par exemple, une pièce. Oh, cette photo-là, c'est mal. C'est pas, le size n'est pas idéal, mais c'est vraiment une belle pièce à avoir. Le fait que, par exemple, cette ligne-là, c'est une tenue justement monochrome, ça, automatiquement, il n'y a pas. L'œil voyage facilement, il n'y a pas de cassure vraiment dans l'œil qui voyage. Peu importe votre taille, ça va automatiquement rallonger votre silhouette. Pensez tout simplement, vous ne devriez pas avoir, comme j'avais dit la dernière fois, les jambes de vos pantalons à genoux sur vos pieds, automatiquement ça va vous tasser. Mais si c'est à la bonne taille et les bonnes hauteurs et la bonne forme aussi, cette dame elle a la taille marquée, donc elle a une ceinture qui l'attache, qui met encore en évidence et sa féminité, c'est bien. Sinon, il y a d'autres formes que vous pouvez considérer en fonction de votre morphologie justement pour pouvoir vous mettre en valeur. Et encore une fois, c'est une pièce que vous pouvez porter comme ça, que vous pouvez accessoiriser, que vous pouvez ajouter une veste. Ça va dépendre justement de l'occasion, de ce que vous voulez faire, de votre personnalité aussi et tout ça.
Mais c'est une bonne pièce à avoir dans sa garde-robe. Une autre pièce très importante à avoir dans sa garde-robe, j'ai parlé du. Allons prendre, c'est le t-shirt. Le t-shirt est devenu très en vogue et on a même des t-shirts imprimés. Et c'est bien. Si on regarde, par exemple, ce que j'avais dit tantôt, c'est que je conseille toujours de prendre une pièce de la garde-robe qu'on aime et en fonction de son style de vie, en fonction de sa personnalité, on peut justement ajouter d'autres versions de cette pièce-là. Par exemple, les gens qui sont beaucoup plus casual, les gens qui aiment bien porter le denim et un tee de tous les jours, c'est bien, allez-y. Vous pouvez ajouter par exemple une pièce et maîtresse qui est également une autre basique de la garde-robe qui est une veste pour ajouter plus, pour composer un petit peu plus votre tenue. Porter cette tenue-là avec des baskets par exemple, automatiquement vous ajoutez une petite touche à votre tenue, ça va vous donner un petit peu plus d'assurance, un petit peu plus d'élégance et ajouter vraiment cette troisième pièce dans votre tenue automatiquement vous montre que vous aviez mis, voici un exemple, que vous aviez mis une attention particulière dans cette tenue-là. Là, elle a les baskets, le jean, un ceinturon et un maillot. La seule chose, ce t-shirt-là ne la met pas en valeur. Je crois que j'avais une autre photo. Laissez-moi voir, excusez-moi. Pour vous donner des exemples, il y a un exemple que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer ça comme on parle de. Ok. Ça, j'aime bien. Et plusieurs choses qui attirent, que je veux attirer votre attention dessus. Là, c'est un jean, un maillot, et it's very loose. On aurait pu aller dans une meilleure qualité et en termes de t-shirt. Et des sandales métallisées, et puis un blazer, le blazer est retroussé. Allons essayer de regarder vraiment ce look. Ce look-là, par exemple, moi, ce que je changerais dans un premier temps, j'irais avec un jean et de bleu beaucoup plus foncé, ce qu'on appelle le dark wash ou bien on l'appelle aussi indigo. Pourquoi? Parce que cette couleur-là fait beaucoup plus habillé et ça aurait encore rehaussé un petit peu plus la tenue. Mais et ça dépend du vibe qu'elle va ou l'occasion, ça va. Ce que je veux attirer votre attention dessus, c'est que c'est sur le décolleté. Maintenant, le décolleté idéal, surtout pour les femmes en général, c'est le V parce que ça rallonge automatiquement le cou. Dès que tout ce qui rallonge ajoute vraiment une touche féminine, ça rend beaucoup plus sexy, si je veux dire ça comme ça. Et si on a le cou court, ça aide. Si on est de petite taille encore, ça aide. Maintenant, dans son cas, par exemple, elle n'a pas beaucoup de seins, donc elle a un grand V qui lui donne un beau décolleté et c'est idéal en fonction de justement. En fonction de la taille de vos seins, vous choisissez le décolleté en conséquence. Et là encore, elle a une autre pièce de la garde-robe, un basique qui est le blazer qu'elle a porté. Et automatiquement, ça change le vibe. C'est l'une des pièces que je recommande en général aussi de faire un investissement, c'est les blazers. Bien sûr, les blazers recommandés en règle générale, c'est le noir, bleu marine, et puis ça peut être kaki, etc., le gris, etc., des couleurs neutres. Mais c'est bien encore une fois d'avoir une analyse de couleurs pour savoir les meilleures couleurs à porter parce que les couleurs apportées près du visage déterminent si vous aurez un effet bonne mine ou un effet. Et mauvaise mine grise, comme on sait dire. Et aussi, ça va également ajouter de l'élégance à votre tenue. Vous aurez encore beaucoup de meilleurs résultats, beaucoup plus d'élégance et aussi beaucoup plus de compliments lorsque les couleurs que vous portez vous mettent vraiment en valeur. Et j'invite toujours, et aussi bien entendu, une fois que vous aviez au moins 2 à 3 blazers couleur neutre, couleur de base. Vous pouvez à ce moment-là expérimenter. Par exemple, moi, j'avais un blazer rouge, j'allais dans le rouge, l'orange, le jaune. Encore une fois, en fonction de votre zone de confort, en fonction de votre colorimétrie et aussi en fonction de votre colorimétrie, mais aussi en fonction de votre style de vie. De votre style de vie. J'insiste beaucoup parce que, dépendamment de ce que vous faites dans la vie, dépendamment de votre environnement immédiat, de travail, etc., certaines fois, certaines couleurs peuvent être, je ne vais pas dire défendues, pas recommandées dans le sens qu'on veut rester dans un ton beaucoup plus neutre, un petit peu plus sévère, mais.
Sinon, allez-y. L'autre pièce de la gueule. Je m'excuse vraiment, créole, des fois ça m'arrive que c'est pas facile pour le vini et anglais, bah, etc. Enfin, je ne sais pas, on va voir. Donc, une autre pièce à ajouter dans sa garde-robe, c'est le pantalon droit. C'est une variation, et ce pantalon-là que je vous propose, c'est une variation justement du pantalon droit classique. Et c'est très à la mode, j'ai pris celui-là parce que c'est très à la mode, les pantalons évasés, Zara, Mango, Aritzia, Aries, les top et retail stores et aux États-Unis et en Europe ont des collections enragées, comme on sait dire, de ces pièces-là. Je vous encourage à l'avoir. J'offre aussi des services de personal shopping si vous avez besoin d'assistance pour savoir comment choisir justement vos pièces, quelle size choisir, comment acheter sur Internet. Je suis disponible. Donc, un autre exemple, je crois que j'ai un pantalon beaucoup plus classique que ça pour vous montrer. Voici un pantalon classique. Encore une fois, prêtez attention à la longueur du pantalon et aussi choisissez en fonction de votre morphologie. Par exemple, ça, c'est un pantalon qui a ce qu'on appelle les pine stripes, c'est-à-dire des lignes. Et how do you say that? Des lignes verticales. Les lignes verticales dans les vêtements en général, ça rallonge la silhouette, ça amincit. Donc, vous pouvez utiliser et stratégiquement, par exemple, les imprimés pour pouvoir mieux composer et vos looks et créer l'illusion visuelle en fonction de vos objectifs, que vous avez un petit peu plus de rondeur ici que là et un petit peu plus fine par-ci que par-là. On pourra faire ça et probablement lorsqu'on va regarder ensemble la morphologie, vous donner un petit peu plus de détails sur ça, mais gardez ça à l'esprit aussi. Si vous aimeriez augmenter le volume, allons dire, vous connaissez un pile fil là, qui aime en rondeur, etc. T'as aimé plus range, qui t'a aimé plus chose. Pensez aux couleurs vives. Les couleurs vives, par exemple, attirent la lumière automatiquement, augmentent le volume. Pensez à des poches, comme vous pouvez regarder là. Et des poches latérales, des poches sur les fesses, etc. Automatiquement, ça augmente le volume. Évitez, par exemple, de porter un pantalon avec des lignes verticales parce que ça augmente et ça réduit le volume. Pensez de préférence, si vous allez dans les imprimés, allez dans les gros imprimés à contraste très fort. Les vêtements actuellement, ce qu'on appelle horizontal, par exemple, augmentent le volume. Et par exemple, les top marinières, les filles qui sont toutes petites en haut, qui veulent balancer, par exemple, leur silhouette, peuvent penser aux marinières. Mais par la même occasion, par exemple, une fille qui a la forme V, c'est-à-dire qui a la carrure beaucoup plus large que et leur moitié inférieure, c'est mieux de c'est recommandé, allons dire, d'éviter cette pièce-là. S'il vous plaît, si vous avez des questions, faites-le-moi savoir. Et écrivez vos questions. On va continuer. Est-ce que quelle autre pièce qu'on va prendre? Je vous montre encore d'autres inspirations de pantalons. Encore une fois, il faut choisir aussi quand on choisit ses pantalons, ses vêtements en fonction de sa morphologie. Quand on a la taille marquée, on peut porter les pantalons à taille haute. On peut ceinturer encore pour accentuer un petit peu plus la taille. Cependant, si on est rectangle, si on est ronde bon, si on est V, c'est bien de porter les pantalons à taille basse. Les pantalons à taille basse sont à la mode. Pour les autres, mieux vous portez et vos pantalons à la taille à hauteur normale. Si vous êtes petite et que vous voulez justement rallonger votre silhouette, pensez à faire des compositions à petits contrastes et évitez les grands contrastes. Par exemple, là, le noir et le vert, c'est un gros contraste. Par exemple, si elle avait fait une tentative de soit tout au look vert avec des différentes nuances de vert ou bien aller plus ou moins dans un camaïeu et de couleurs, ça aurait l'œil aurait mieux traversé la silhouette et on aurait définitivement un meilleur résultat sur ce look-là. Ok, pantalon, est-ce que j'ai un dernier? Oh, j'aime bien celle-là, laissez-moi vous montrer. Ça encore. Notre pantalon oversize. Et là encore, on est en train de regarder ce look, on peut dire qu'elle est très stylée. Et on vient de. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde deux pièces de base de la garde-robe. On a la chemise blanche légèrement oversize avec les manches, je pense un petit peu
cufflinks, mais ouvert un petit peu oversize. Et également le pantalon qui a qui est un petit peu plus évasé que la normale, qui a tout un travail qui fait. C'est-à-dire que la personne s'est inspirée des pièces de base et a pris des versions un petit peu plus modernes de ces pièces de base pour pouvoir composer son look. Et automatiquement, c'est plus frais, c'est plus moderne, c'est plus stylé. Et on adore. Qu'est-ce qu'on a encore? Si un look classique, pantalon et une blouse. La blouse, c'est une pièce classique de la garde-robe, surtout. Et la blouse en soie ou les camisoles en soie, parce que ce sont des pièces passe-partout, on peut les porter avec son jean, son pantalon et sa jupe, et ajouter tout simplement sa veste comme on veut. Et la blouse camisole, on peut porter, alors la blouse, le camisole, on peut porter par exemple avec son jean, avec des talons aiguilles, comme on veut en soirée, et c'est automatiquement très. Très séduisant. Et on peut, en parlant de veste, on a parlé de la veste, laissez-moi le tailleur ou bien la veste, ce sont des intemporels de la garde-robe. Maintenant, c'est à la mode le gilet, est retourné à la mode. N'hésitez pas à porter votre gilet avec ou sans veste. Une belle pièce, il faut quand même, tout le monde a besoin, peu importe son style de vie, on a besoin d'un tailleur dans sa garde-robe. Et les tailleurs dans la garde-robe, la chemise blanche dans la garde-robe, la petite robe noire, crème ou bleu marine dans la garde-robe, et même un blazer, ça vous aide pourquoi? Ça vous aide, c'est important de les avoir. Si nous avons un thème, nous connaissons que nous avons une pièce là, nous pas rien pour nous inquiéter. Nous. Si nous gagnons une entrevue, nous, pas de problème, vous avez des pièces. Vous avez pour votre bureau ou bien pour votre business ou event, automatiquement, vous parlez pour event là. Parce que de temps en temps, il y a du networking, il y a tout ça. Peu importe ce qu'il y a, à ce moment-là, quand vous avez des pièces, même quand ce sont des pièces uniques que vous avez dans votre garde-robe, parce que ces pièces-là, soit ne reflètent pas votre personnalité ou la plupart du temps votre train de vie, ce que vous faites, etc. Vous êtes ingénieur, vous êtes sur les chantiers, etc. Mais vous avez ces pièces-là que vous pouvez à n'importe quel moment incorporer, comme si juste aller nous passer, mais nous prendre, et puis nous connaître, nous bons events, nous parler. Une autre. Ah bien, je vais vous montrer celui-là. Non, une fois que vous avez vos pièces de garde-robe, vous pouvez vraiment jouer en fonction de votre style de vie. Si vous êtes marié, faites comme moi, prenez les cravates de vos maris, amusez-vous et les rosettes, ces pièces-là et les nœuds papillons. Allez-y, amusez-vous avec les pièces et ça fait un effet. Par exemple, elle est mince, en plus de ça, elle aurait pu ajouter une ceinture. Mais encore une fois, je veux attirer votre attention sur les basiques. Les basiques en général sont des pièces au fait que vous portez au quotidien. Et des fois, vous dites, je n'ai pas cette pièce-là. Ce sont des pièces qui auraient pu et vous faciliter au quotidien que ouais, ou ça un petit peu rare. Nous pas un blazer pour nous passer sous lit. Encore une fois, je reprends le principe. Une fois que vous avez au moins une couleur de base, par exemple, comme je viens de dire, un taillon noir, un taillon bleu marine. Ou crème, comme je viens de dire, je préfère la petite robe et les blazers d'avoir ces couleurs-là. Et garder le tailleur pantalon noir, c'est tellement sexy et élégant. Mais vous pouvez à ce moment-là incorporer de la couleur dans votre garde-robe, un tailleur. Et ça peut être d'autres couleurs neutres. Mais aussi, ça peut être des couleurs qui vous vont bien au teint en fonction de votre colorimétrie ou bien en fonction de votre couleur préférée. Et c'est très, très, très tendance depuis quelques années maintenant. Par exemple, les couleurs du printemps en tailleur et les marques dont je viens de citer là, il y a tantôt, on en a pas mal, pas mal. Et ça a fait récemment un style enragé. Donc, n'hésitez pas. Une autre pièce très, très connue, qu'on a tendance à éviter dans la garde-robe. Oh, la photo n'est pas bien. Qu'on évite, qu'on n'a pas dans la garde-robe, mais c'est assez intéressant comme pièce, bien que nous sommes dans un pays tropical, c'est la veste en cuir. Veste en cuir, là,
Il y a juste un petit bad girl effet dans la tenue. Nous. Comme je viens de dire, nous avons jean, maillot, tennis, nous passons, de même que jacket en jean, nan, tout, qui sont l'autre pièce importante dans le garde-robe, que nous sommes capables de mettre sans aucun problème aussi ensemble avec lui. Est-ce que moi, la tenue, nous avons pris dans l'autre couleur et dans le tous les jours, ou nous avons pris tout de différentes matières et le biker, ça oui, les bikers et jacket là, nous capons de différentes matières tout, gain un suede, gain qui sont des imitations en tissu très dur. N'hésitez pas, surtout pas d'essayer ces pièces-là, de les intégrer dans votre garde-robe. Ça peut vous aider pour justement pour casser une robe un petit peu trop girly, comme c'est par exemple le cas ici, ou bien ajouter un petit peu, comme je viens de dire, bad girl. Dans votre look, par exemple, je vois ça très bien. You know, I'm toujours picture. Je ne sais pas pourquoi je le dis là. Mais ouais, ces bikers-là, par exemple, avec une camisole qui sont pièces très féminines, très classiques, un jean, des aiguilles vertigineuses, et puis, justement, et la veste en cuir. Et comme parfum, Carolina Herrera, Good Girl. Je ne sais pas pourquoi, moi, mais ouais, ça et tout. On peut avoir, vous avez vos clutches, ça peut être oversize, il y a la banane qui est à la mode. Vous faites comme vous voulez et pensez à accessoiriser un rouge à lèvres, un vrai rouge, encore pour accentuer le côté le côté bad girl. Et allez-y, j'ai parlé par exemple et de la jacket en jean, c'est très à la mode. Il y a le oversize qui est à la mode en Haïti. Moi, ouais, que gagne quelques designers qui prennent qui recomposent, soit qui mettent de la peinture, qui coupent ou mettent tissu là-dedans, différentes choses et le carousel, différentes choses qui justement permettent nous ajouter un petit bagage en plus dans la tenue. Quand vous ajoutez par exemple ces petites choses en plus, ça vous fait gagner en confiance, ça encore montre que vous avez un look un petit peu plus composé. Ça peut être dans le quotidien. Vous les portez comme vous voulez avec des baskets. Les baskets, c'est une pièce de base de la garde-robe et le tennis blanc. Très, très, très à la mode. Une bagaille que moi, j'aime recommander la plupart du temps, c'est les Adidas Originals qui sont très bien. Il y a Steve Madden aussi qui a une bonne collection. Il y a pas mal d'autres marques. Je crois que récemment, j'ai vu Michael Kors avec de belles tennis aussi. Ce sont en fonction de votre style de vie, en fonction de ce que vous faites. Vous êtes maman, nous tout en fait monter des seins, par exemple, mais nous pas voulez et nous pas voulez juste be just a mom. Ça vous donne un petit peu des deux. Vous pouvez facilement justement avoir votre look de tous les jours, juste jeter une pièce, un jean et un jacket, un jean, tennis, etc., au maillot blanc. Et automatiquement, ça change. Vous pouvez avoir une banane, comme on sait dire, et un sac dans la ceinture, etc., qui est très à la mode. Donc, à ce moment-là, vous êtes la maman stylée, de stylish mom. J'avais d'autres tailleurs que je voulais vous montrer. Tout à l'heure, j'ai parlé des couleurs de printemps, des couleurs à la mode. Ce sont des pièces. Vous pouvez les mixer et matcher, c'est-à-dire vous les porter ensemble ou séparément avec d'autres pièces. Pour composer votre look, j'ai un problème aujourd'hui, je ne sais pas, avec les photos et sont pas bien centrées, mais au moins vous avez une idée, par exemple des pièces et dont je vous propose que je vous propose. Donc c'est ça, on a vu la chemise blanche, etc. Il y a une autre pièce qui est assez importante dans la garde-robe. À ce moment-là, vous pouvez faire les total look jeans, un autre look qui est super chic. Vous pouvez penser, dépendamment de votre confort, ou bien avoir les deux, encore une fois, si ça vous dit, c'est la chemise en jean. La chemise en jean classique, c'est le western look. Le western look, des fois, c'est des pressions que ça a, c'est vraiment un jean. Ou bien, il y a le chambray aussi qui se rapproche du jean que vous pouvez avoir. C'est plus souple, c'est plus fin, c'est mieux pour l'été, dans les saisons chaudes. Et ça vous permet de composer des total look jean. Vous pouvez casser comme fait la dame là. Elle a ajouté une veste camel superbe, des ceintures en camel. D'ailleurs, c'est la meilleure façon de me faire total look jean. Et puis, moi, mettez chaussures pointues chita. Qui couleur léopard, quand je dis je sais pas où c'est ça, et qui vraiment
bien, vraiment bien composé et look là qui bon look moderne, chic, frais. Et si j'ai un autre, non, et agréable. Mais par contre, cette couleur-là, c'est une couleur très importante. Et guys, si nous retournons nous garder tout ça, nous disons là, nous pratiquement retrouvé notre tenue ça. Nous parlons de blazer et une fois que nous gagnons, nous allons jouer avec différents looks, garder en tenue ça, son tenue assez moderne. C'est une dame. Probablement qu'il y a moun, par exemple, qui est capable dans la quarantaine, je pense qu'elle est dans la quarantaine et même la cinquantaine, mais elle est très moderne. Elle porte un jean à la mode qui compte chérie, pas beaucoup, parce qu'on ne peut pas trop en faire à partir de certain âge. On veut rester chic, classique. Et elle porte, bon, c'est évident, c'est une chanson Hermès, so c'est sûr que c'est de qualité. Elle porte une belle veste qui a une belle souture, une belle coupe et qui met vraiment en évidence sa silhouette. Elle a un clutch, elle porte des tennis, elle porte un t-shirt blanc et puis elle a accessoirisé. Dans les accessoires basiques de garde-robe, les lunettes de soleil, it's a must have. Si on va l'ajouter un petit peu de mystère, non seulement que quand vous avez une bonne paire de lunettes de soleil, ça protège les yeux contre les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent justement abîmer vos yeux, ça ajoute du mystère, un petit peu de caractère dans vos looks, dans votre tenue. Les gens sont tendance à vous paraître bien frais aux besoins des yeux. Il y aura une révélation qui va être faite. Leur nous retirer les lunettes, etc. Définitivement, pensez à ça. Moi, pensez que ça n'a rien à voir, fille ou garçon. Tout le monde a supposé une belle paire de lunettes de soleil. Encore une fois, il faut faire justement. Bon, on va dire morphologie du visage, mais comment on dit ça? Et faire justement, choisir justement et sa paire de lunettes en fonction de la morphologie de son visage pour que l'y mette nous en évidence, couleur l'entour pour que l'y flatte nous, pour que son accessoire justement qui ajoutait encore plus dans tenue nous que l'y retirer. Mais définitivement, par exemple, ça c'est un look que je trouve qui est moderne, classique, de tous les jours. Que l'on pourrait porter. Juste pour vous montrer l'effet de la couleur. C'est une couleur tellement passe-partout, le camel. Ça va avec tout, dépendamment de ça que combiné. J'aime bien avec le noir, avec bleu marine, avec turquoise, peu importe la couleur, avec le rouge, etc. Pour moi, c'est un intemporel. C'est une couleur, surtout que je travaille beaucoup avec des teintes chaudes, puisque les noirs ont tendance à être beaucoup plus de teintes chaudes que froides. Qui vraiment. Et il y a des couleurs similaires de teintes froides. Pour être honnête aussi. Mais ça apporte un plus, ça apporte de l'élégance, ça apporte une touche de fraîcheur. Et c'est une couleur actuellement bien que classique qui est très très à la mode. Les teintes de cognac, les teintes de kaki, de beige et de chocolat sont des couleurs à la mode. Et c'est là depuis longtemps. Avantage d'avoir ces pièces-là dans sa garde-robe, ça fait quoi? Ce sont des intemporels. C'est-à-dire que il y a des moments où il y a plus hype que d'autres. Mais il n'est pas jamais démodé, il n'est pas jamais passé mode. Donc, ces pièces, ce sont des pièces que vous pouvez faire des investissements. C'est-à-dire que soit vous pouvez essayer d'acheter une bonne pièce, soit que si vous voulez faire confectionner, ou bien if you can splurge, just splurge. Parce que ce sont des pièces qui vont vous rester à vie. Dernièrement, j'ai fait le decluttering. Il y a tellement de vestes que moi, je viens pour vendre après près de 10 ans de service, m'a dit, et qui étaient frais. Je ne regrette pas d'avoir investi dans ces pièces-là. Ce sont des pièces qui prennent n'importe qui tenue depuis nous, juste par son veste, nous pas sûr, ni changer tempérament. Donc, c'est ça. Nous parlons plus ou moins de quelques des pièces, des basiques de la garde-robe. Juste pour me faire un résumé, nous parlons de chemise blanche, nous parlons et le tee. On a parlé de la veste, du blazer, on a parlé du tailleur, on a parlé du pantalon droit, on a parlé de jaquette, on a parlé de la veste et de la chemise en jean, jaquette en jean, jaquette en cuir. On a également parlé de tennis, on a parlé de quelques accessoires. Mais les chaussures aussi, on recommande d'avoir au moins un talon et. On dit généralement noir, mais c'est plus flexible maintenant. Vous pouvez choisir en fonction de votre colorimétrie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des têtes de marron aussi. Et aussi, il y a le vert militaire qui est également une couleur neutre que je vous recommande toujours d'ajouter comme pièce de base passe-partout qui va avec pratiquement toutes choses dans votre garde-robe. On recommande généralement d'avoir au moins une paire de chaussures classiques, c'est-à-dire bien pointues,
avec un minimum de 2,5 à 3 pouces de table. Ça peut être une seule paire. Justement, le map à l'eau, occasion, etc. Ou entre vous, pour y passer, ou à long terme, on besoin de petite route. Ou à chercher un petit élégance, pour y passer, peu importe. Et là, c'est au moins un. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les talons, parce que je suis toujours ce talon, allez-y collectionner. Moi, j'aime bien, ce n'est que pas souci d'élégance qui fait me pas dépasser 5 pouces, mais ça, c'est préférence. Pam, je reste au moins minimum de 4 pouces. Et dans le quotidien, mais ça c'est moi. Vous pouvez porter des plats, toujours revoir la forme des chaussures, c'est très important. Nous parler de tennis, on peut porter des sandales, ça fait garde-robe été. Maintenant, on a parlé des capsules de base, car il y a différentes capsules. Il y a des capsules par saison et il y a des capsules aussi par saison, ça ce serait été aussi. Et aussi, des capas, par exemple, en capsule pour aller à la mer, en capsule de vacances, etc. Ça permet justement de s'assurer que pour toute occasion, vous avez toutes les différentes pièces qu'il vous faut. Bien sûr, nous, c'est fille et pour ordre général, c'est. How do you say that? It's healthy for you to have shopping habits que nous avons acheté d'autres pièces en fonction de goût ou de humeur, nous que nous intégrer dans le garde-robe, mais que nous gagnons une bonne base, c'est-à-dire que c'est un bagage passe-partout qui allait avec tout bagage. C'est ça en résumé, et en résumé, c'est ça. Je n'avais pas parlé des chaussures dans les accessoires, juste pour faire le point et citer par exemple quelques accessoires bah, qui est très important et une pièce qui c'est et même un classique. Ce sont les hoops, comme ça là, ces genres de boucles d'oreilles là. Ce sont des hoops. Les hoops sont les hoops et les points, les diamond studs, comme on les appelle, les points en diamant, sont des pièces classiques ou comme accessoires, par exemple bijoux. Pour les bijoux, on recommande généralement 3 pièces maximum. Bon, allons dire minimum, parce que mettez beaucoup plus que ça. Ça peut être des boucles d'oreilles, une chaîne, sa bague. Ça peut être des boucles d'oreilles, une chaîne, sa montre aussi. Ou bien, on peut toujours avoir 3 bijoux plus sa montre. C'est bien pour les femmes, surtout les femmes d'affaires. Nous n'avons pas de montre. Vous pouvez choisir les montres en céleste ou bien une montre en cuir. Personnellement, je préfère la montre en cuir. Je trouve que les tiges en plus, c'est là, un petit peu moins et un petit peu plus. Est-ce que ça me fait sens dans ça? En tout cas, ça c'est préférence personnelle. Moi, je trouve que les fait plus classique, plus intemporel. Les moins bling, en même temps, les fait beaucoup plus. Je ne sais pas si vous voyez. A little bit much, un petit peu plus habillé pour moi, etc. Mais les deux vont, et si vous voulez avoir les deux dans votre garde-robe, allez-y, c'est tant mieux. Vous pouvez choisir en fonction de vos objectifs et en fonction du côté que nous parlons. Assurez-vous que c'est la bonne taille pour vous en termes de grosseur, en fonction de votre morphologie. Et aussi, c'est bien ajusté. Vous pouvez toujours, si un seamless, amener ça à l'horlogerie pour faire ajuster pour vous. Sinon, et justement, il y a des maisons où on fait les cordonneries. Les cordonneries, c'est ça. Qui pourront vous aider justement à ajuster et vos montres en bracelet cuir. J'ai parlé des bijoux, j'ai parlé de la montre, j'ai parlé des lunettes de soleil. Il y a également, vous pouvez considérer les foulards, ce sont des accessoires que vous pouvez porter soit en ceinturon, soit dans votre sac à main, soit autour du cou de différentes manières. Dans les cheveux, c'est à la mode maintenant de les porter dans les cheveux. Donc, si vous en avez des petits, des grands, des moyens, allez-y. Essayez, c'est bientôt le printemps, donc allez-y à fond. Les broches également sont des pièces assez classiques que vous pouvez utiliser dépendamment de votre style de vie. Si vous travaillez à la banque, ces genres d'entreprise et qui a un protocole vraiment et habillé vraiment chic, vous pouvez toujours intégrer. Moi, j'adore, c'est une pièce que j'adore, ça apporte quelque chose, ça habille la veste un petit peu. Et allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires? Je pense en gros, ce sont là des accessoires. Le sac à main, gars, c'est très, très, très important. Avant, le sac à main. Le sac à main, c'est une pièce importante que vous devriez choisir. Comme je viens de le dire, en fonction de votre style de vie, en fonction de votre préférence, également en fonction de votre taille aussi. Les deux sacs à main de tous les jours recommandés, c'est le satchel. Est-ce que j'ai pris des photos pour vous? Et les tote bags. Les tote bags.
sont les sacs à main que vous portez à l'épaule, un petit peu, y a une petite forme, un petit peu trapèze que vous mettez à l'épaule, tandis que les satchels sont les sacs à main que vous tenez dans la main là, ou bien que vous portez ici, que vous portez ici là. Moi, personnellement, je préfère les satchels, je trouve que c'est plus élégant. Mais pour le week-end, dans le tous les jours, vous pouvez définitivement, si vous avez des enfants aussi, considérer les satchels que vous passez et sur l'épaule. Comme je l'ai dit tantôt, certaines pièces, c'est mieux de les avoir de qualité. Je vous invite à faire ce petit investissement-là de manière à avoir un beau sac à main. Ça change vraiment la tenue d'avoir un beau sac à main. Pour ne pas avoir un sac à main, nous sommes ensemble avec le nous tirer sur la blanc qui quitte toute marque parce que la pelée, chaussures qu'a pelée, ce genre de choses-là, c'est vraiment pas très élégant. Et à ce moment-là, ça vous met dans vos petits souliers, nous obligez à chercher une excuse, un tiri, etc. En fonction de vos moyens, vous pouvez faire des petites économies, trouver de bons deals pour avoir une belle pièce. Ça, c'est pas forcément griffé. L'essentiel, c'est que vous avez quelque chose de solide, de qualité et de bonne coupe aussi qui, justement, apporte un plus à votre tenue, qui vous permet vraiment, encore une fois, d'avoir un look plus composé, plus poli. Et ça vous fait gagner, justement, en assurance. Parce que le nom de fait, ah, monsieur, regardez, monsieur, je suis frais. Anyway, c'est ça. Et dans le sac à main, si on veut aller plus loin, pensez à votre portefeuille, votre pochette de carte de visite. Vous ne pouvez pas être une professionnelle, il y a demandé une carte de visite. Non, pas une carte de visite à oreilles pour demander pardon. Ou bien une pochette de carte de visite qui soit marquée Digicel, soit marquée Société Banque, etc. Parce que nous avons une vente de banque pour faire publicité. À moins que nous soyons employés, nous vraiment voulons faire publicité. Hein. Ce sont, on les appelle letter goods. On les appelle small letter goods. They are very cheap. Et. Si nous partons, nous avons besoin de Ross, nous avons besoin de Walmart, nous avons besoin de TJ Maxx, nous avons besoin d'un paquet de côté, ou bien si vous voulez aller un petit peu, peu importe la marque que vous y allez, ça ne va pas comme si être extrêmement cher dans le sens où c'est vraiment très petit. Et généralement, ce sont les restes généralement des sacs à main, etc., qu'on réutilise, qu'on prépare ces petites pochettes-là. Donc, qui fait que généralement, peu importe la marque, ça peut être relativement abordable, si je peux le dire comme ça. Donc, n'hésitez pas parce que ce sont des choses qui composent votre look et qui vous donnent un petit peu plus de, how do you say that? Et d'assurance en vous et qui montrent aussi que vous vous soignez et qui vous donne aussi, on a l'impression que, ouh, dame sa classe, et elle sait ce qu'elle fait, elle est bien, elle est élégante, etc. Donc pensez aux petits détails, les petits détails font une différence. Et en ayant les basiques de garde-robe, comme je viens de dire, on a beaucoup parlé de couleurs neutres, avec ça, vous pouvez facilement incorporer des couleurs dans votre garde-robe. Peu importe ça, nous voulons mettre, si nous n'est pas confortable, par exemple, pour nous mélanger mauve à rouge, pour nous faire et vert, jaune, rose, pour nous faire ces genres de combinaisons de couleurs-là, vous pouvez commencer à intégrer au moins une pièce de couleur. Par exemple, soit dans votre chemise, soit dans votre pantalon, quelque part là où vous vous sentez à l'aise. Et à ce moment-là, contrebalancer soit avec des couleurs pastel ou bien des neutres aussi qui à ce moment-là vous donnent une certaine assurance au fur et à mesure que vous avancez. Et vous pouvez justement apprendre à mieux mélanger les couleurs. La séance d'analyse de couleurs aussi, c'est un des topics que j'aborde. J'apprends comment utiliser, comprendre justement et l'harmonie de couleurs, comment mélanger les couleurs et ça. Et vous donner un petit training aussi dans votre garde-robe, une petite capsule où vous avez justement l'expérience d'avoir une styliste attachée à vous-même qui prépare votre garde-robe, juste pour vous permettre à mieux vous appréhender et des couleurs et de les ajouter. Parce que les couleurs ont un effet sur notre mood et généralement, ça envoie un message que vous paraissez quelque part. Vous pouvez utiliser les couleurs en fonction de leur signification pour atteindre certains objectifs. Donc, c'est toujours bien, non seulement de comprendre comment mélanger les couleurs, mais aussi de comprendre leur signification. À ce moment-là, en fonction de vos objectifs, là où vous allez, ça nous a aimé accomplir, nous capables définitivement faire un choix de couleurs qui a accompagné nous. Comme je vous dis, nous sommes face à face, nous n'avons pas connaît, pas obligé qu'on ait le cas qu'on ait, mais il n'est pas obligé qu'on ait qui s'en couleur, le peut-être couleur. Ça, c'est prouvé que c'est directement le subconscient qui reçoit le message et qui prédispose justement à certaines choses. C'est très puissant quand on fait les négociations, les médiations, etc., l'utilisation des couleurs que l'on fait.
Et juste regarder dans le spa, généralement, qui couleur nous est dans le spa, qui vibe qui vient dans le spa, vous allez comprendre ou bien les centres de soins, généralement, il y a certaines couleurs qui reviennent. Il y a une signification à tout ça. On fera ça dans un prochain live. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si il y a des questions. On m'a bloqué. I'm trying to keep up, okay. Moi, t'es bloqué un petit peu, message. Si on parle de questions aujourd'hui, c'est pratiquement la fin et de ce qu'on a eu à voir aujourd'hui. La semaine dernière, c'était un petit peu plus animé. On avait vu les hommes. Donc, en gros, c'est ça, les basiques de la garde-robe. Comme je viens de dire, une fois que vous avez vos basiques, ça devient beaucoup plus facile d'incorporer d'autres pièces dans votre garde-robe, de pouvoir jouer avec votre garde-robe, de mieux pouvoir vous exprimer. Les basiques de garde-robe varient en fonction des saisons, de là où vous êtes, etc. Ça, ce sont des pièces que généralement, pour nous autres, dans notre environnement, la plupart du temps, qu'on peut vraiment, vraiment utiliser. Et merci, Kai Chef, ça vous donne vraiment... Quand vous avez 16 articles dans votre garde-robe, il est difficile pour vous pas jouer dans vous mettez. Moi, si je ne joue vraiment pas sous feuille forme, je dis vous ne me mettez parce que je ne pas sous feuille forme, je suis allé me prendre un robe ou bien me prendre un job sous. Et je sais que mon look là toujours paraît, how do you say that, put together, que j'ai vraiment composé mon look avec une intention, sans que ce n'est pas forcément vrai. Donc je vous encourage vraiment définitivement à y penser. Mon dernier bail dans le résumé, je vais mettre ceinture dans l'accessoire et j'avais mentionné ça au début. Donc en gros, c'est ça, guys. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente soirée. Et oh, regardez un look. On se verra. Regardez une composition justement et d'un jumpsuit comme je viens de parler. Je vous souhaite une excellente soirée. On se verra une très prochaine fois. Je vous rappelle que je suis Iris Duhamel. Je suis coach de style. Ma page Instagram c'est La Moumousse. Suivez-moi sur La Moumousse. Et pour plus de détails aussi, vous pouvez m'envoyer un DM, vous pouvez avoir tous les détails de mes services sur lamoumousse.com. Vous pouvez avoir toutes les informations, les services, ce que je fais, comment je fais. J'ai aussi un portfolio que je dois mettre à jour qui peut vous donner des idées, des différents travaux que j'ai déjà accomplis. Vous avez droit à 15 minutes de consultation gratuite. N'hésitez pas à le réclamer, vous pouvez m'écrire directement à partir du website ou sur ma page Instagram ou Facebook. Je suis à votre service. Ici, on est justement, nous sommes à votre service. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je remercie mes sponsors pour aujourd'hui encore, qui est Couleur du Temps d'ailleurs. Qui a des pièces superbes pour la Saint-Valentin. Je vous encourage à les visiter. Et j'ai également La Sirène aussi qui fait la promotion avec nous pour la Saint-Valentin. Pour la plupart d'entre vous, si vous êtes en Haïti, vous connaissez déjà cette boutique. Ils ont pas mal de choses sympas. Et aussi Organise, qui m'organise, qui est mon partenaire de choix dans toutes mes activités que je fais de rangement de garde-robe et même à la maison. Je vous invite également à les suivre et de nous supporter. Donc, encore une fois, suivez La Moumousse sur les réseaux sociaux. Laissez-moi des commentaires, pas sur la page de nos filtres, mais sur ma page. Quel serait le prochain sujet pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? J'ai envie de faire un live sur les parfums, de comprendre plus ou moins la composition des parfums, les différents types de parfums, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Faites-le moi savoir, je voudrais bien aborder ce sujet-là aussi avec vous et partager avec vous certaines connaissances pour mieux comprendre le monde des parfums, comment choisir votre parfum et commencer pourquoi pas une petite collection, mais de ne pas devenir comme moi. Hello, Dr. Love. Ah, Galina. Ok, je prends note. Je pense que ça va être amusant pour avoir ça. Ensuite, on aura morphologie. Et probablement avec un petit peu de démonstration bien après. Et on va faire un petit peu de développement personnel la prochaine fois. J'ai une question, je prends la question et je m'en vais. Mon nom c'est Iris Duhamel, j'ai bien dit ça sur les réseaux sociaux. Je suis connue comme La Moumousse. La Moumousse sur les réseaux sociaux, j'écris pour vous. Certains d'entre vous. Ok.
Donc c'est ça, skincare aussi, pourquoi pas. Et vous pouvez me suivre pour skincare, maquillage, etc. De temps en temps, j'ai des lives. Soit que je fais mon make-up, soit que je parle des produits que j'utilise pour ma peau. Je parle aussi de santé. Je parle aussi de soins de cheveux. D'ailleurs, j'ai un centre spécialisé et dans le traitement du cheveu holistiquement, de manière holistique, allons dire ça comme ça. Et oui, skincare, on peut discuter de tout sans aucun problème. Je parle assez souvent de ma routine. Suivez-moi sur ma page aussi pour pouvoir vraiment, parce que c'est là vraiment où je parle vraiment spontanément de tout et de rien qui a rapport avec fashion, beauty et healthy lifestyle en général. Mais ici, je suis là jusqu'à une fois par semaine. Donc, suivez-moi et bien sûr, je prends note de ce qui vous intéresse et au fur et à mesure, je vais vous apporter ce contenu-là sur cette plateforme. OK, guys, thank you for tuning in. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais la bise. À bientôt.